Bah, de toute façon, les gens qui vont regarder ça, c'est des gens qui aiment bien le dessin, donc c'est pas forcément des gens qui aiment les sketchs. Hein. Ça s'appelle ce que tu fais, ça s'appelle, je sais pas, l'autopromotion, enfin, je sais pas quoi, un truc, on va dire, enfin, je sais pas, c'est vachement dur de qualifier, bah, que t'ailles dans un truc où on t'attend pas. Ouais. Genre. Je me mets au basket. Que tu crois au génie, tu crois pas que c'est le travail qui fait les choses. Bah, comme disait Jacques Brel, y a pas de. Fumer sans feu. Attends, c'est nul parce que j'allais dire une référence, mais je me rappelle plus très bien. Mais bah, tu peux dire toi. Faut se méfier des gens qui donnent des références en fait. Y'a pas de talent, y'a que du travail, un truc comme ça. Ouais, ouais, bah ouais. Et non. Moi je crois qu'avant on croyait au génie parce que les gens se rendaient pas compte de la technique, ils avaient pas la technique. Et maintenant, comme on est à peu près tous égalitaires devant la technique, on a à peu près accès à toutes les techniques, bah du coup ce qui fait la différence, ouais, c'est le taf quoi. Ah, ça c'est malin ça. C'est combien coûte ce divan? Non, mais tu vas me le dire. C'est le moins cher de chez Fly. De dos, on dirait que c'est Bertrand Cantat qui est en train de dessiner. Ah ah ah. Tu l'as déjà rencontré, Bertrand Cantat. Alors, qu'est-ce que tu penses de Bertrand Cantat, qu'on voit d'ailleurs dans Chat Perché? Est-ce que tu crois que je devrais faire un remake Jaune Désir? Tellement d'art! Alors, c'est toi, Norman, qui peint? Ouais. Mais tous ces chats dans Paris qu'on voit partout, c'est toi, donc? Bah ouais, ça fait 10 ans que je fais ça, déjà. Moi, je fais ces dessins nuls. Je t'appelle Monsieur Chat dans la vidéo. Merde! Putain, fais chier! Hey, ça va? Un vrai sketch, ouais, ouais, c'est bon. Bah sinon, laisse, hein, ça me donne un style. Mais non! Ce qui vient de se passer est totalement aberrant. En plus, je crois que je l'ai filmé. Oh merde, mon sac! Putain! Avec la dédicace, et regarde! Alors là, si c'est pas bon, ça. Hardcore! Le canapé risque de basculer, mais comme il y a mon chat de l'autre côté, ça fait contrepoids. Merci, le chat. Y'a aucun risque que tu bascules grâce à Sergi. Bonjour, Sergi! Il va être jaloux qu'il y a un chat sur le mur. Hein, tu vas être jaloux? Hein? Hein, tu vas être jaloux? Je vais faire un plan artistique. Ouais, ouais, vas-y, mais il galère. Et puis là, alors là, qu'est-ce qui se passe? Ping. Là, c'est plus du tout ta artistique, là. Eh, t'as de la chance, je me suis pas douché aujourd'hui. C'est très mignon, en tout cas. T'as trop de la chance, j'ai pas eu le temps, j'étais tellement à la bourre, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Ah, parce que t'es sérieux, d'accord. Ouais. Ah non, mais moi je suis carrément que premier degré. C'est-à-dire que je peux prendre des cours de blague avec toi parce que. Premier degré, man! C'est ça. Je prends tout au premier degré et je commence à intégrer le deuxième, troisième degré. Ou alors après je vais à des degrés trop lointains et. Bah merci, hein! Non, mais attends! Norman! Ouais, je vais pouvoir y aller avec ça, mais. Ouais. Hey, t'aurais dû faire un chat, il a fumé et tout, il a les yeux rouges. Mais bah tu peux rajouter avec une bombe. En plus j'ai vu c'est des croquettes, c'est pas des croquettes qui te viennent. C'est des trucs là, des pâtés pour chat. Ça t'inquiète pas. Ah ouais, je t'ai pas dit un détail, il parle pas français lui, il parle que allemand. Ah merde. Merde, je suis dans la merde. Allô, des katze. Das ist nicht gerecht, Sergi.